un nouveau concept de sac hybride. Premier truc, le système d'ouverture permet de scratcher rapidement et de sécuriser au-delà du scratch avec le petit clip que je me permets ici. En fait, c'est un sac photo, caméscope, c'est tout pour le bardin numérique. Donc je le bascule, il est derrière dans mon dos, comme ça, hop, et là je ne peux pas accéder à mes affaires. Donc, si je veux accéder à mes affaires, hop, la poche en fait elle est latérale, ce qui évite les problèmes de vol, que j'accède directement quand c'est devant moi. Ici, à l'emplacement pour mettre mon petit matériel électronique. Là, j'ai une poche anti-vol pour mettre par exemple mon iPod, mon PDA, mon lecteur MP3, que je ferme. Je peux laisser sortir le câble qui va passer par le passe-câble ici pour écouter ma musique quand je me promène. Ensuite, j'ai ma grande poche dans laquelle là, je vais retrouver toutes mes affaires. Ici, j'ai deux flips qui permettent de protéger mon caméscope numérique qui va pouvoir se retrouver avec des accessoires. Ici, j'ai une petite poche qui va me permettre d'être réglé en hauteur pour bloquer l'accessoire, l'appareil photo, tout ce que je veux, le caméscope, y compris pourquoi pas le PDA. Ensuite, j'ai ma poche secrète dans laquelle, puisque je suis en voyage, je vais pouvoir mettre mon passeport et mes billets d'avion pour rentrer à la maison. Donc la super grande poche qui est complètement inaccessible quand c'est dans mon dos. Donc là, je suis complètement sécurisé par rapport à tout ça. Ensuite, je referme, j'ai mon caméscope qui est protégé, l'appareil photo, et j'ai encore devant toutes les poches, on va dire, standard, mais qui sont quand même, elles paraissent pas en volume, mais en fait, il y a un super grand volume à l'intérieur qui permet de mettre mes câbles, mon téléphone portable, mes clés d'hôtel, mes badges, tout ce dont j'ai besoin, et j'ai encore du volume ici. Et ensuite, dernier petit détail, puisque c'est ça que j'amène en plus avec moi en voyage, une fois que je l'ai enlevé, sécurisé, je descratche et je peux ranger facilement les bretelles à l'intérieur pour en faire un petit sac que je vais tenir comme une petite valise. Hop. Hop là. Et voilà, nouveau concept, Ibrio.